إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار اما بعد طيب alors الحمد لله رب العالمين نعم un sujet aujourd'hui qui est très 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 chaud نعم très bouillant نعم Donc, Inch'Allah, euh, de ce fait, nous allons prendre ce sujet et inshallah on va essayer de, de refroidir, de refroidir toute euh, ardeur euh, ou toute, euh, euh, toutes, les, tout, tout, toutes les ardeurs qui peuvent. Euh, na Toutes les ardeurs qui peuvent euh, qui peuvent atteindre certaines personnes ou toute précipitation, etc. Naham, c'est au sujet autour du sujet de la fitna qui se passe en ce moment au cœur de euh, Naham des gens de la Sunna Naham. Donc en principe, en principe. La méthodologie de mon enseignement, c'est de ne pas entrer dans les fittan. Et je vais ramener les preuves, bien entendu, du kitabi sunnah. Et des paroles de certains savants, naham. Comme à mon habitude, naham. Mais ce qui m'a poussé ici, ce qui me pousse ici vraiment à prendre la parole, et walhamdulillah, essayer de raisonner, essayer de raisonner certaines personnes, Voire la majorité, Naham, dans la foulée de raisonner certaines personnes, mais plus faire un conseil, conseiller ceux qui commencent, les nouveaux ou voire moins nouveaux, qui commencent à douter de la salafia de la voix des, des gens de la sunnah, qui commencent à ne plus savoir où se mettre, où se placer. Et en pratiquant un hadith du prophète qui dit Celui qui voit parmi vous un monkar, quelque chose de grave, de blâmable, un grand mal, un monkar, celui parmi d'entre vous qui voit cela, qu'il le change. Naham. S'il peut avec ses mains, s'il ne peut pas avec sa langue et s'il ne peut encore pas avec son cœur, et c'est le degré le plus bas de la foi, Naham. Donc moi, je suis depuis le début un certain, un certain sujet qui touche les gens de la sunna. Je le suis depuis le début, Naham. Donc je regarde euh, ce qui est dit d'un côté, de l'autre, etc., les paroles d'Erulama. Naham, etc. Donc c'est un sujet que je suis depuis le début, ce qui veut dire depuis plusieurs mois, voire une année. On ne dit rien, on ne dit rien, on ne dit rien, on ne dit rien, ou Alhamdulillah, puisqu'on voit que euh, l'enseignement euh, est prioritaire. L'enseignement du tawahid, la Naham, l'enseignement dans lequel nous nous sommes lancés, la dawa c'est prioritaire. Mais là, depuis peu, depuis peu, voire euh, hier, hein, j'ai constaté, donc, les choses ont évolué, les choses ont évolué, ça a un peu, euh, comme s'il y avait un abcès et là ça a percé, ou muhim ou comme si quelqu'un avait jeté de l'essence et ça a pris feu, Et j'ai pris conscience en écoutant, j'ai des échos, hein, et comme je vous dis, je me tiens au courant depuis le début, donc j'ai pris euh, des échos, hein, des gens qui, qui m'apportent euh, ce qui se passe, hein, ce que disent les, les gens de la Sunna, mais là je parle plus, là on va plus parler, dans ce genre d'écho, de ce que disent les, les frères et les sœurs. Naham, en masse, Naham. Donc après une constatation, après un constat, j'ai constaté un gros mankar. Un gros mankar. Un grand mal. Un grand quelque chose de vraiment un grand mal. Et ce mal, c'est l'impact de cette fitna, l'impact que a cette fitna sur des débutants. Sur des ignorants, sur des gens qui ne connaissent pas, sur des gens qui ne savent plus comment faire. Mise en garde contre un tel, mise en garde contre un tel, un tel et un menteur, ne plus prendre. Il y a une liste de, de, de prêcheurs, on ne prend plus. Alors, Inshallah ou Ta'ala, je vais, Inshallah ou Ta'ala, essayer de vous conseiller, essayer d'éclairer. Pas ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades, euh celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Donc ceux qui sont malades, je ne peux rien pour eux. Moi, mon but, ça a toujours été d'aider, d'éclairer ceux qui ne savent pas, ceux qui veulent connaître, ceux qui veulent apprendre ceux qui sont entre les deux ils savent plus quoi faire je suis inscrit là est-ce que je continue à prendre des cours euh, euh, je suis perdu euh, je doute de la salafia wallahi j'ai reçu des échos comme ça il y en a qui sont déçus il y en a qui doutent il y en a qui savent plus alors on va inshallah ta'ala pour vous et pour ceux qui veulent être aussi confortés qui ont déjà leur avis mais qui veulent être confortés dans leur avis on va inshallah vous apporter un éclaircissement inshallah ta'ala on va vous apporter un éclaircissement, c'est-à-dire, on va vous éclairer de la vraie voie. Là, je vais vous donner la vérité. Comment se place la personne qui suit la voie des, 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 des anciens prédécesseurs, la voie des célèbres, des pieux prédécesseurs, Naham, ceux qui veulent suivre cette voie, on va vous éclairer, on va vous dire, c'est quoi votre position Naham. Bien entendu, avec le Kitabi wa avec la parole elle-même du Prophète, Ali, salatu wassalam, et avec la parole de savants, Naham. de grands savants. Naham. Alors, ce qui m'a vraiment poussé à prendre la parole, c'est la première raison pour laquelle je vous ai dit un gros monkar, des débutants doutent de la salafia, on arrive jusqu'à douter. Des gens qui prennent des cours depuis des années avec un tel ou un tel ne savent plus quoi faire. Mais ma priorité, c'est ça. Et parallèlement à cela, parallèlement à cela aussi, on m'a même rapporté de sources sûres, subhanallah, subhanallah. Et là, je peux pas, je peux pas ne pas intervenir. Le prophète nous a dit quand vous voyez un monkar, si tu peux le changer, même avec la langue, change-le. Même des couples qui se déchirent à cause de cette fitna. Des couples qui se déchirent. Naham, j'ai entendu. On m'a rapporté de sources sûres. Des couples qui se déchirent. Alors je ne peux pas ne pas prendre la parole. Bien que je m'interdis à moi-même d'entrer dans toutes ces fitanes, j'obéis à mon prophète. Alis salatu wa salam. J'obéis à mon prophète, je n'entre pas dans les fitanes. Naam. Et je suis l'exemple de savants qui sont une référence dans ce domaine. Qui sont une référence dans ce domaine. Naam. Il y a même, malheureusement, alors regardez jusqu'où ça va, hein? regardez jusqu'où ça va, on a perdu la raison. Moi je suis là pour, inshallah, j'espère être la voix de la raison, pour ramener les gens à la raison. Il y a même des sœurs qui, qui font des mises en garde là. Il y a des sœurs qui, qui se sont mises à faire des mises en garde. Subhanallah, revenez à la raison. Revenez à la raison. Vous n'avez même pas les bases. Vous n'avez même pas les bases dans la religion. Beaucoup de gens entrent dans des questions qu'ils ne maîtrisent pas. Naham. Alors, comme je l'avais dit dans un rappel précédent, pour ceux qui ont écouté ce rappel en ce qui concerne euh, Recherches-tu vraiment la salafia ou, J'ai oublié moi-même ce prendre là le titre. Hein, quelque chose euh, similaire à ce titre. Hein, Recherches-tu vraiment la salafia Naham. J'avais expliqué. Naham. Dans ce rappel, on avait, expliqué, on avait expliqué que la salafia, les gens de la vérité, il ne se divise pas, il ne se déchire pas. Allah nous dit dans le Coran Wa'tassimou jamian wa la Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. C'est quoi le câble d'Allah Et ne vous divisez pas. Déjà, c'est interdit de se diviser. Au câble d'Allah, le. Les ulama, ils ont dit Le câble d'Allah, c'est le tawhid, c'est l'islam. Naam. C'est le kitab ywa Cramponnez-vous à cela, et il n'y aura pas de fitna. Inshallah, Et il n'y aura pas de division. Mais à partir du moment où on commence à chacun il fait à suivre ses passions, eh bien voilà. Voilà comment euh, cela se, se termine. Donc ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ça va sembler dur pour certaines personnes ce que je vais dire et ça va sembler péjoratif. Mais je pense que pour beaucoup qui sont lucides et qui ont, que pour beaucoup qui sont lucides et qui sont dotés, doués d'intelligence, qui ont un minimum, on se croirait dans une cour de récréation. On se croirait dans une cour de récréation. Non, c'est mon chir qui a raison. Non, c'est pas ton chir, c'est mon chir qui a raison. Non, ton chir, c'est un menteur. Non, ton chir, il a critiqué l'autre. Non, ton chir, ceci. Non, ton chir, cela. Chir euh, un tel a mis en garde euh, contre un tel. Alors, chir un tel, lui, a mis en garde contre le chir qui a fait la mise en garde. Alors, attention. Pour ceux qui risquent de mal interpréter ce que je suis en train de dire. On va y venir peut-être, peut-être qu'on va venir après au détail. Là, je parle biljoumla. Je ne parle pas dans le détail qui a raison, qui a tort. Euh, regarde, les ulama, euh, euh, c'est des gamins. Je n'ai pas dit ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que, il y a qui qui pense à la voix des salafs, là Il y a qui qui pense au menhaj Alors, ils vont vous répliquer oui, non, au contraire, on, 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 c'est pour le protéger, c'est pour. Euh... Alors, excusez-moi, ce n'est pas ce que dit Sheikh Al-Fawzan, et ce n'est pas ce que dit. Euh, je prends des exemples, hein, Sheikh al Sheikh Bezmoul, Mohamed Bezmoul, on va parler de son conseil au sujet de cette fitna à la suite. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Hein. Donc, on pourra dire euh, euh, ce qu'on veut à propos de, de ce que je dis, on pourra répliquer, inventer des. Des, des règles, des kawaïdes, de ce que vous voulez. Il euh, ben, y a des savants qui disent comme moi, comme quoi il ne faut pas rentrer dans cette fitna, comme quoi cette fitna elle a été faite pour diviser les musulmans. Parole de Sheikh Al Fawzan. Sheikh Al Fawzan, oui, qui dit. Sheikh, est-ce que c'est vrai que vous mettez en garde contre Sheikh euh, Mohammed euh, Al matrali Ibn Hadi Al Madkhali? Cheikh Al-Fawzan, non, c'est pas vrai. Euh, non, c'est pas vrai. Euh, non, est pas vrai. Euh, ceci est un mensonge. Ceci est pour diviser les musulmans. Alors Cheikh Al-Fawzan, il a compris. Il a compris. Voilà. Et il clôt le débat en deux secondes. En deux secondes, il clôt le débat. Alors il y en a, ils se croient au-dessus de Cheikh Al-Fawzan. On fait des... On fait des, des postes et toute l'année, toute l'année, on parle sur les Ulamas. Alors, comment voulez-vous que des jeunes, des nouveaux, comme ça, ils comprennent Comment tu vas préserver la voix des salèves comme ça, des nouveaux, ils comprennent On va citer la parole de Shir Al-Fazan, on va citer la parole de Shir Bezmoul et on va même citer l'explication d'un hadith de Shir Abdel Razak. Et c'est ça la position que moi, je vous recommande. C'est ça votre position. Ce n'est pas d'allumer le feu, de rajouter de l'huile. Quand tu vois ta famille, admettons quelqu'un qui est dans une famille de 10 personnes hein, chez toi. Tout le monde est en train de se disputer. Non, c'est pas toi, l'autre il prend, il prend le parti de l'autre. Non, non il prend, chacun il prend le parti. Non, non, c'est pas toi, toi, c'est sa faute. Presque, ils vont en venir. Ben, c'est la guerre, hein. Et la guerre, vous savez comment que ça peut finir? Vous savez comment que ça a fini à l'époque des Sahaba toi qui es lucide, toi qui es raisonnable, qu'est-ce que tu fais Bah, ben, tu essayes de réconcilier, tu essayes de conseiller, tu essayes de prendre du recul, tu essayes de t'interposer, tu essayes, mais tu ne jettes pas de l'huile sur le feu. Tu ne jettes pas de l'huile sur le feu alors qu'il y a des gens depuis qu'ils sont tout petits, ils suivent. C'est le savant de leur pays. Vice-versa, hein, que ce soit en Arabie ou en Algérie. Il faut de la sagesse, il faut de la hikmah. Alors, non, on fait des groupes, on se déchire en deux, déjà on contredit la parole d'Allah. Ne vous divisez pas, on désobéit. Et ça se tape dessus. Ça. Barakallahu Qu fikum. qu'est-ce que ça vous apporte dans votre religion Moi je vous fais gagner du temps. Moi je vous fais gagner du temps. On était dans un merguez chez Sheikh Mokbar dans un merguez. On a vu des fitanes que vous n'imaginez même pas. Même dans les, dans les rappels que j'ai pu faire, j'osais même pas en parler. Je me suis dit, il y en a, ils vont pas. Ça va être trop dur à entendre pour eux. Ils vont pas comprendre. Wallahi, des fitnes, vous trouvez ça dans les films. J'ai séparé des bagarres entre des étudiants qui se battaient à mort. Vous savez ce que ça veut dire, à mort Ce n'est pas une bagarre judo, prise de judo, à mort. J'ai séparé des bagarres. Vous ne savez pas, vous, la fitna jusqu'où ça peut aller. Même jusqu'au divorce. C'est pour ça que je prends la parole... Je sais que ma parole n'a pas un impact extra. Euh, hein? D'ailleurs, d'ailleurs, c'est fait exprès. Bienvenue là, bien entendu. J'ai toujours fait en sorte. Je ne veux pas être connu. C'est mon choix. J'aurais pu des fois me glisser, hein? me glisser dans certaines assemblées, tout ça et tout. Je n'ai jamais voulu. Je ne souhaite pas. J'espère que ce que ce rappel même touchera. Une minorité de gens qui veulent la vérité. Hein? Mais là, on est obligé de parler. Et je sais que ça va tourner, mais je suis obligé parce qu'il faut une voix de la raison dans dans cette faoda. Il faut quelqu'un qui soit une voix de la raison, en espérant l'être, au milieu de cette fitna, de cette déchirure, de cette désobéissance. Et tout ce que vous voulez. Maintenant, il y en a qui peuvent interpréter « je suis en train de blâmer » ou « je vais vous dire, je ne suis pas en train de blâmer, sauf pour une chose. Une chose que je blâme, oui. Il y a une chose que je blâme. Et je m'appuie sur la parole de Sheikh Mohamed Bezmoul, que je vais vous citer à la suite. Ce que je blâme, c'est qu'il y a des gens, ils sont entrés dans un endroit où ils n'avaient pas à entrer. Ils ont attisé, déclenché la fitna. Ils ont attisé, ils ont déclenché la fitna. Et maintenant, vous allez voir qu'il y a certains orgueilleux qui vont tout faire pour encore attiser encore plus. Et d'autres qui vont prendre conscience et qui vont se faire tout petit oublier. Parce que là, ils vont se dire oh là là, c'est parti trop loin. Ben ouais, mais il fallait y penser avant. fallait y penser avant. Alors, je vais vous donner une parabole. Je vais vous donner une parabole. Et malheureusement, peut-être que cela ne sera pas euh, compris par la majorité, mais comme le dit le prophète Alisatwa Salem, <transmets> Et si une seule personne, hein, par ta cause, hein, Allah guide une seule personne, par ta cause, c'est mieux que toutes les meilleures choses. Les meilleurs biens qu'il y a. Bon, c'était les, hein, les meilleurs à l'époque. Euh, euh, je crois que c'était les chameaux roux. Hein, de l'époque. Les, les, les bestiaux roux, les meilleurs de l'époque. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a meilleur dans notre dunia à nous aujourd'hui. Une personne. Donc, Alhamdulillah, pour une personne, moi, ça vaut le coup. Donc, ce que je voulais vous dire. C'est que je vous pose une question, mais tout le monde connaît la réponse. Hein. Même une petite fille de 5 ans, elle connaît la réponse. C'est pour ça que je vous parle de qu'on se croirait à la maternelle. Est-ce que si tu ne sais pas nager, tu plonges dans la piscine Et je vais même plus loin. La piscine de 2 mètres, <laughs> la piscine de 4 mètres, celle où, celle où tu, tu n'as pas le niveau de nager. Ou tu n'as pas le niveau. Est-ce que tu plonges dedans À l'unanimité, à part le fou, hein, ils vous diront Non, je ne plonge pas, je ne plonge pas dans une piscine de 2 voire 4 mètres si je ne sais pas de profondeur hein, nager. Alors pourquoi tu rentres entre les problèmes, entre les ulama Tu connais toutes les règles du Djalhwat Tahdid Tu connais toutes les bases hein, Tu connais toutes les règles Tu connais tous les détails de ce qui s'est vraiment passé Ou ce qui se passe, ou ce qui va se passer Tu connais tous les détails Tu vis à côté d'eux Tu connais bien chaque shir Chaque shuyur Tu maîtrises le sujet Réponse non pour la plupart. Alors pourquoi tu plonges Et en plongeant tu entraînes une masse de gens avec toi, parce que les gens te font confiance. Pour eux tu es une référence. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il se passe. Alors malheureusement, une grande, grande, grande majorité ne sont pas autodidactes. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas, pas de leur faute. Hein. Ils sont débutants, ou alors même ça fait longtemps qu'ils sont dans la belle mais voilà, ils ont toujours un, un, un niveau faible, etc. Ils n'ont pas la capacité de discerner comment, comment suivre, qui suivre, euh, etc donc, ils font confiance aux prêcheurs. ils font confiance aux prêcheurs. si le prêcheur a fait un mauvais choix, il les entraîne avec eux. il les entraîne avec eux. puisque ce sera ou ils seront avec lui dans, dans le faux, ils vont le suivre dans le faux. ou ils vont se détourner de lui dans les deux cas. ce n'est pas bon. Dans les deux cas, ce n'est pas bon. Donc, mes frères, mes sœurs, ne vous, défi ne, ne vous divisez pas, ne vous déchirez pas. Ma sœur, ton paradis, il est dans l'agrément, bien entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également somma et puis dans l'agrément de ton mari. Dans l'agrément de ton mari. Aucune personne raisonnable, aucune sœur femme raisonnable ne se déchirera, ne cassera, ne déchirera son couple pour une personne extérieure. Il fait quoi le chier pour toi Il est quoi le chier pour toi Ton mari. Il est plus important que le chir, puisque l'agrément d'Allah passe par l'agrément de ton mari pour toi. Également, également. En ce qui concerne les prêcheurs, en ce qui concerne les prêcheurs, les prêcheurs en question, celui qui n'est pas à l'aise avec une personne, Alhamdulillah, il change de personne. Celui qui n'est pas à l'aise, qui n'est plus à l'aise avec un prêcheur, il change de prêcheur. Maintenant les histoires de mise en garde de boycott tout ça laissez ça aux ulamas, laissez ça aux savants n'entrez pas dedans je comprends c'est une grosse il y a une grosse confusion pour beaucoup de gens il y a une grosse confusion pour beaucoup de gens si vous n'êtes plus à l'aise avec un tel prêcheur n'entrez pas dans mettre en garde contre contre un tel un tel est devenu hisbi ou ceci ou cela tant que cela n'est pas à 100% clair à 100% clair pour vous, pour vous, votre propre personne. Tant que ce n'est pas clair, ne traitez pas un tel de risbee, ne boycottez pas un tel ou un tel. Mais si vous êtes mal à l'aise, attention, je ne prends la défense de personne, moi je prends la défense de la vérité. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, plus pas ou plus à l'aise avec une personne, n'en faites pas tout un plat, changez, changez. On a expliqué. On a expliqué, revenez, je vous donne des bases dans mes rappels, dans mes cours, et je ne les fais pas pour rien. Dans le cours que j'ai fait, et ne suis pas un prêcheur à l'aveuglette, le fait de suivre les prêcheurs à l'aveuglette, revenez à ce rappel et vous verrez. Au moment où tu n'es pas à l'aise, tu commences à douter, tout ça et tout, change. Va vers les ulama, les chouyours, les... Change. Parce qu'il faut être, en toute confiance, il faut être euh, à l'aise hein? avec la personne dont on prend la science. Si n'es plus à l'aise avec la personne, change. Mais n'en fais pas tout un plat. N'en fais pas tout un plat. Oh, C'est un hisbi, il faut plus prendre deux, il faut plus... Il faut pas non plus aller dans l'exagération. Il ne faut pas non plus aller dans l'exagération. Attention, je précise. N'anticipez pas barakallahu fikum ma position. Je n'ai pas clarifié ma position. Et moi, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai appris, je ne fais pas partie de ceux qui se sont mis en avant dans le prêche et qui n'ont pas étudié avec les ulamas. N'aam. De tout ce que j'ai appris, on n'a pas le droit. D'imposer une position Ce n'est pas la voie des Salaf Alors arrêtez de jouer avec les mots Oui mais quand tu sais la vérité Après tu dois prendre position pour la vérité Il y a des compagnons Ils ont, ils ont, il y a des compagnons, ils ont pas pris position Dans la fitna entre Ali et Mouawiya Des compagnons du prophète Ali Salat ou Al Salam Allez dire ça à eux Barakallahu fikum. Et si quelqu'un est raisonnable, est raisonnable et il n'est pas un fetten, il a le droit de ne pas vouloir mettre du feu dans l'essence. De l'essence, pardon, dans le feu. Attiser la fitna, il a le droit. Si quelqu'un si quelqu euh, prend comme référence Sheikh Al-Fawzan ou Sheikh Mohammed, euh, Mohamed Bezmoul ou Sheikh haïli, Il a le droit Il a le droit de suivre leur position Et vous n'êtes pas plus savant que ces trois que je viens de citer Personne en France, en Europe, en Amérique, en Asie N'est plus savant que ces trois personnes que je viens de citer Alors je prends de qui Ni à Montréal, ni nul que ce soit Personne n'a plus de science hein? Dans l'Europe, dans l'Amérique, dans l'Asie, dans la Chine tout ce que vous voulez. Hein. Personne n'a plus de science que Mohamed Bezmoul. Et maintenant, je vais vous dire ce que dit Sheikh Mohamed Bezmoul. Ce qui vient corroborer, affirmer, appuyer ma position, qui est de ne pas prendre de position. <laughs> ma position, c'est de ne pas prendre position, sauf pour conseiller. Ceux qui sont, les pauvres, ils sont pris dans le filet. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus, je commence à douter de la voix des Celef. Et je vais vous rajouter quelque chose. Est-ce que tous ces gens-là qui ont attisé le feu, la fitna, ils ont pensé à tous ceux à qui ça fait plaisir? On a l'air vraiment crédible maintenant, hein Nous avons vraiment l'air crédible maintenant, hein les frères musulmans, les Hizbiyin, les Koufar, les Khawarij, les khawarij oh, ils se lavent bien les mains maintenant. Oh, ils se lavent bien les mains. On est bon qu'à se diviser et à se taper dessus, à se tirer par derrière et à se faire des listes et à. etc., etc. Il y a qui qui pense à ça? Il y a qui qui pense à ça Le, le résultat de cette fitna, qu'est-ce que ça va donner Alors, maintenant, je vais vous mentionner la parole de Sheikh Mohamed Bezmoul. Et si vous connaissez quelqu'un en Europe, ou en Amérique, ou au Canada, ou où, où, où vous voulez, à part l'Arabie, ou peut-être le Yémen ou des endroits où l'Algérie ou des endroits où il y a des savants si vous connaissez quelqu'un de plus savant vous me le faites savoir barakallahu fikoum la position de cheikh Ahmed Besmoul qui donne un, un conseil à propos justement de cette fitna n'ham Inch'Allah, je vais citer sa parole, hein? euh... la parole de Sage Conseil intitulée Sage Conseil, Sage Conseil concernant la fitna actuelle entre les salafis. Et une autre recommandation que je formule, donc, Sheikh Mohamed Bezmoula. Qui est plus savant que tous les gens d'Europe. Et tous les gens euh, qui, sont, qui ont attisé cette fitna et qui, sont, euh, qui ont allumé et attisé cette fitna. Et une autre recommandation que je formule, personne ne mise dans les problèmes. C'est bon. Il y a des Mashayir el-Kibar, des grands savants qui abordent l'affaire. Personne ne façonne de clarification communiquée, personne ne dit. Moi, je suis avec un tel ou un tel. Personne ne dit, moi, je soutiens tel chir ou tel autre. Laissez les savants à leur propre sort, ils régleront les choses. Quant à ce que chaque jour et celui qui le suit, comme pour le problème en cours, chaque jour et celui qui le suit, un communiqué apparaît par ici, nous soutenons un tel et un communiqué par là, nous soutenons un tel et encore un autre, nous soutenons un tel. Non, ceci est une erreur. Chirbezmoul, laissez les Machaïs régler cela entre eux, ainsi l'affaire sera close, tirée au clair et résolue. Quant à ce que tu fasses telle ou telle chose, tu ne fais pas la... tu ne fais par là, catisez le feu, le feu de la fitna. Je n'ai rien inventé, vous voyez. Observez le silence, observez le calme, restez judicieux, soyez doux et laissez les savants résoudre le problème. Malheureusement, euh, comme je l'ai dit aussi dans, dans mon rappel précédent, les deux que j'ai cités précédemment, malheureusement en France on n'est pas connu pour ça. On n'est pas connu pour... Pour... Que nous dit Chir Bezmoul ici On n'est pas connu pour... Restez calme, restez judicieux, doux et laissez les savants résoudre le problème. Malheureusement, on n'est pas connu pour ça. Les savants sont en train de résoudre le problème. Nul besoin à ce que tu rôdes. Oh, chir, ils ont parlé sur un tel. Oh, chir, juste une parole concernant un tel. Oh, chir, ils ont parlé sur un tel. Oh, chir, juste une parole concernant un tel. Celui-là se rend chez celui qui aime parler, qu'il aime Parmi les Machaïrs, voulant telle chose, et cet autre va chez celui qu'il aime parmi les savants, voulant telle chose. Ce sont des Fatan. Non, abandonnez cela. Vous avez entendu ce que vous dit un, un, un grand parmi les grands Machaïrs d'Arabie Saoudite Vous entendez ce qu'il vous dit Ce qu'il nous dit Non, abandonnez cela. Quelqu'un est venu me parler en me disant. Chez nous, tel chir, le journal quotidien a écrit, il me l'a montré, qu'est-ce qu'il dit le journal 50 savants réprouvent ce qu'a fait le chir, tel shir. Quelle est la cause 50 savants. Ce sont ces communiqués, ces communiqués, ces communiqués sont une erreur. C'est bon Il y a des savants qui ont évoqué l'affaire, nous dit Chir Bezmoul. L'affaire est finie, ne t'immisce pas et ne va pas te figurer que c'est parce que toi, tu as de la jalousie pour ta religion. Contente-toi d'alerter ta propre personne, mon frère, afin de ne pas t'égarer. Chacun s'interpelle lui-même. Moi, je fais attention à ma propre personne et toi à la tienne. Ne va pas t'immiscier. Ne va pas t'imaginer que c'est parce que toi, tu as de la jalousie pour la religion. Non, non. Garde ta jalousie pour ta religion en toi et délaisse les choses. Les Machaïr, Inshallah, vont la résoudre. Et eux, Inshallah, sont plus sensés. Plus sagace, plus savant et plus averti que nous. Par Allah, jusqu'à présent, moi, Sheikh Bezmoul, je te le dis, ce problème, je ne sais rien de sa réalité. Je ne connais rien de l'affaire et je ne souhaite pas parler de ce sujet avec ignorance. Je ne le souhaite pas. Ceci n'est pas mon affaire, cela ne me concerne pas. Je ne sais rien du sujet. Qu'est-ce qui me rend apte à m'y mêler C'est bon il y a des grands savants et c'est eux inshallah qui vont traiter le sujet et le solutionner un quelconque mouvement de la part des étudiants aux quatre coins du monde musulman autour du sujet tu constateras qu'il ne sait pas qu'il ne fait que l'attiser et ne l'éteint aucunement le journal n'a déclaré cela qu'à travers les communiqués laissez les choses là, elles s'achèveront sur un bien. Mais tant qu'il y aura des gens qui s'agitent au nom de la jalousie pour que la religion, pour Tel Chir, et d'autres qui s'agitent au nom de la jalousie pour la religion et pour Tel Chir, tu verras les choses mener à un schisme entre les étudiants. Voilà ce que... Voilà ma position. Voilà ma position. Et c'est le vœu le plus cher chez les ennemis de la salafia. Je vais le répéter trois fois, inshallah. Et c'est le vœu le plus cher des ennemis de la salafia. Et c'est le vœu le plus cher des ennemis de la salafia. Et c'est le vœu le plus cher des ennemis de la salafia. La survenue de la division, le morcellement, de l'éclatement des groupes salafis. Et c'est le vœu, c'est cela leur souhait. Alors ne leur donne pas les moyens d'y arriver, mon frère. Shaitan trouve 99 portes du bien pour te faire tomber dans une porte du mal. Il s'introduit par la porte de la jalousie pour la religion, la jalousie pour tel -chir, la jalousie pour Menesh C'est c'est que c'est parce que ceux-là sont réellement des adeptes du faux. Parfois les choses n'apparaissent pas comme elles le sont vraiment. Tu crois qu'elles vont à droite mais en fait elles vont à gauche. Toi tu n'en as pas conscience, toi tu ne connais pas la trajectoire des choses. Inch'Allah, les savants qui kibar, les grands, qui, eux, se chargent des problèmes fondamentaux ont davantage connaissance du sujet. Donc, mon conseil à votre intention, le conseil d'un frère plein de pitié à l'égard de ses frères, éloignez-vous. Chir Bezmoul, Chir Bezmoul Hafidha Allah nous dit, éloignez-vous et laissez chacun se préoccuper de sa jalousie pour sa religion et pour lui en lui-même. Lui Excusez-moi, je ne fais aucune critique envers les frères que je vais citer. Je ne les critique pas. Mais mon frère, ma sœur, reviens à la raison. Si tu as à choisir entre Souleymane El Haïti, si tu as à choisir entre Mehdi de Birmingham, si tu as à choisir entre tous les autres et entre Sheikh Bezmoul, Subhanallah il Subhanallah Subhanallah il qui choisiras-tu? Qui choisiras-tu Donc mon conseil à votre intention, le conseil d'un frère plein de pitié à l'égard de ses frères, éloignez-vous et laissez chacun se préoccuper de sa jalousie pour sa religion et pour lui, pour lui en lui-même. Toi, préoccupe-toi de ta religion et de ta personne pour toi-même. Laisse cela au Machaïr. Et c'est eux qui sont alertes et qui savent. Mais que les choses prennent une telle tournure, ce n'est pas une chose correcte. Ce n'est pas, pas une bonne chose. Et nous, Inshallah, nous sommes grandement confiants dans le fait que ce sont les Machaïr qui vont solutionner l'affaire. Et celle-ci se terminera, Inch'Allah sur un bien. Elle se terminera, Inch'Allah sur un bien. Voilà la parole de Shir Bezmoul Voilà ma position. Je vous ai donné position de grand Machaïr. C'est un grand Shir. Naham. Aucun en Europe n'a son niveau. Aucun en Amérique. En, aucun au Canada. Aucun en Angleterre. Aucun. Père, aucun en France n'a son niveau. Alors moi, je vous demande de le suivre lui. Naham. Je vous recommande de le suivre lui parce que c'est lui qui est sur la vérité. Naham. Il y a des gens. N'y a-t-il pas des signes pour les gens qui réfléchissent il y, a des, il y a des montagnes, des gens qui sont des montagnes de science. Et qui ne se sont pas prononcés. Nous, nous sommes des petits. Nous sommes des petits sortant de nos quartiers. Et nous nous prononçons. Nous ne savons même pas prononcer Allah correctement. Si on pose la question tout de suite à mille personnes, dix mille personnes. Qu'est-ce que ça veut dire Allah dans la législation Qu'est-ce que ça veut dire Allah dans la langue arabe Il y a des gens, ça fait 20 ans, 10 ans, 15 ans, qui suivent la voie des salafs ils ne savent pas lire le Coran. Donc attention, je ne suis pas, il faut le dire à chaque fois, puisque hein, il y a des gens qui interprètent mal et peuvent se servir de cela. Hein, à notre insu, je ne critique pas, je vous fais comprendre ce que dit Shir Bezmoul lorsqu'il dit Occupe-toi de ta personne Chacun doit s'occuper de sa personne, tu ne sais pas lire le Coran. Comment tu fais des mises en garde Comment tu plonges, tu ne sais pas nager Barakallahu fikoum, je terminerai par un encouragement, mes frères, mes sœurs qui êtes nouveau ou autre qui ne savait plus comment euh, où vous mettre comment vous diriger d'abord vous devez demander à Allah subhanahu wa ta'ala la première chose c'est c'est de vous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et de vous demander et de vous demander de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à Allah subhanahu wa ta'ala de vous mettre sur le droit chemin et de vous montrer le droit chemin et de vous éloigner de tous les troubles et à ce propos, en ce qui concerne les troubles, j'aimerais vous éclairer par l'explication d'un hadith qui est mon dalil. Pour ce rappel, c'est mon dalil. C'est la preuve que j'apporte pour ma position, la position que je prends. C'est celle que nous a recommandée, ordonnée notre prophète, alayhi salem Et je n'ai pas besoin de vous dire que sur la planète entière, nul n'est plus connaisseur que le prophète, alayhi salatu le messager d'Allah, a dit dans un, dans un hadith, et il l'a dit, Naham, à plusieurs reprises, le messager d'Allah, a dit dans un hadith, Bienheureux, traduction rapprochée. Bienheureux celui qui s'éloigne des troubles. Bienheureux celui qui s'éloigne des troubles. Il réussit, il est heureux celui qui s'éloigne des troubles. Alors je vais vous donner l'explication de Sheikh Abd al-Badr, al Hafidahullah. Sur ce hadith. Et là, vous allez comprendre qu'il ne faut pas plonger, mais qu'au contraire, il faut se sauver de la fitna. Il ne faut pas plonger dans la fitna. Le Messager d'Allah nous a demandé de nous éloigner pour réussir. Il faut nous éloigner de la fitna et pas y plonger non plus latisé cheikh abd el al badr nous dit à propos de ce hadith, ce hadith qui a été ce hadith bé, euh, béni, qui a été rapporté par muslime Abu daoud et, et d'autres, hein, ce hadith, ô oh, mes frères, il convient de méditer sur son argumentation et de regarder son sens, en espérant que euh, Allah fera que cela soit utile pour nous. Le messager d'Allah, a dit, bien heureux, hein, réussit bien, celui qui s'éloigne, qui s'éloigne, mais c'est vraiment s'éloigner d'un sens fort, de des troubles. Cheikh Abdelazak al-Badr nous dit, d'ailleurs, si vous remarquez, on ne l'a pas entendu, Cheikh Abdelazak al-Badr. Un signe de plus. Sommes-nous plus savants que Cheikh Abdelazak al-Badr Pour nous, nous permettre de, de parler, de mettre en garde, de boycotter, de. Hein Il est demandé. Alors, Cheikh Abdelazak al-Badr nous dit, bien sûr, la réussite. Toute personne la demande. C'est le but de toute personne de réussir, d'être heureux et d'avoir la, la réussite. Chaque personne pour elle-même demande cette réussite, d'être heureux. Et aucune personne ne veut être malheureux, c'est-à-dire ne pas réussir. Shirada al Badal nous dit en ce qui concerne les troubles, les fitaines, lorsqu'elles descendent sur les gens, elles commencent à, elles commencent à euh, toucher leur stabilité, le fait qu'ils soient heureux, qu'ils soient dans la réussite. Hein, cela commence à les toucher. Leur cœur commence à être inquiet. à ce moment-là le messager d'allah nous a clarifié la situation du croyant ah. la situation du croyant ah. en ce qui concerne les fitaines c'est-à-dire tout ce que rencontrent les gens de calamités dans la dunya, de, de choses qui toucheront leur, leur euh, euh, naham, leur au-delà, et les alimtihan, c'est-à-dire les, les tests qu'ils pourront su, subir ici. Et à ce moment-là, chez al-Badar il dit :« Tu dois te retourner, tu dois te retourner et t'occuper de quoi ?» De ta relation avec Allah subhanahu wa taala, avec ton Seigneur, tu dois tout le temps t'en remettre à ton Seigneur, te diriger vers Lui seul, et tu ne dois t'en remettre qu'à Lui seul exclusivement. Si Rabbi al-Badr nous dit, médite sur la parole du Prophète Ali médite sur ce hadith. Et bienheureux réussit bien celui qui s'éloigne des fitanes Alors, qui s'éloigne des troubles, c'est-à-dire le Chir nous dit, celui qu'Allah éloigne, Allah, ou Ta'ala éloigne des fitanes Donc, on comprend par ici que il n'y a que Allah qui peut éloigner des fitanes Donc, il faut se retourner vers Allah et pas vers les gens. Il n'y a qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui peut te préserver, te purifier de tout mal. La réussite est entre les mains d'Allah, nous dit le Shir. Et quel mérite et quel bienfait lorsque le messager d'Allah, il nous dit, Inna fiten, fiten. et bienheureux un hein, réussit bien celui qui s'éloigne des troubles. Alors nous devons nous occuper de ça. Mais vraiment, mais vraiment fortement, nous dit Cheikh. Cheikh Abdelaziz Al-Badr nous dit, en ce qui concerne les troubles et fitn, on doit vraiment s'occuper ça, s'en préoccuper à fond. Pourquoi Pour en être préservé de son mal des troubles. Pour être préservé du mal des troubles. Cheikh Abdelaziz Al-Badr nous dit, il a été confirmé, dans les deux recueils authentiques, Bukhari et Muslim, que le Prophète salam a dit a billahi min al ma minha wa ma batan. Demandez la protection d'Allah dans les fitan, dans les troubles. Ce qui est apparent et ce qui est hein, les fitan, les troubles qui sont apparents et cachés. Les compagnons anhum ont dit nous demandons à Allah de nous la protection contre les fitan qui sont apparents et qui sont cachés Et cela en rapport avec le hadith nibal fitan l'éloignement des troupes comme dans le hadith initial ici Il y a cet immense al il nous dit il y a le signe de cet immense sens ici. Il y a le signe de cet immense sens ici, c'est-à-dire que le fait de demander la protection d'Allah, ou que les compagnons demandaient les protections d'Allah contre les fittan, il y a le sens immense ici dans la parole du prophète lorsqu'il disait, hein, bien réussi, bien et bien heureux celui qui s'éloigne des troubles. C'est-à-dire, nous dit le Shir, le serviteur qui se préserve qui s'éloigne de tout mal naham alors al al badr nous dit ce hadith le sens de ce hadith c'est que le musulman il ne faut pas qu'il demande les troubles il ne faut pas qu'il cherche les troubles il ne cherche pas la fitna pour lui-même mais il s'en préserve, il s'en éloigne, il se sauve. Il doit se préserver, il ne doit pas goûter à la chaleur, au mal, au feu de la fitna. Ce n'est pas ce qui lui est demandé. Ce qui lui est demandé, c'est de s'en éloigner. Et le terme utilisé ici à istinab, sachez que, on le traduit en français, éloigné, mais c'est plus fort en arabe. C'est plus fort. Alors, le musulman doit rechercher à se préserver, à s'éloigner de tout mal. Il s'éloigne de tous les troubles. Hein? Et même, Shirabdazar al nous dit, en nous ayant rapporté bien sûr le Dalit, le Hadith, il doit demander à Allah les protections, la protection d'Allah, d'être préservé. La préservation, il n'y a rien qui. Il est nous dit le Shir. Il n'y a rien dans le bien qui est égal à la préservation. Il y a beaucoup, il est vu, al-Badr nous dit, il nous est parvenu beaucoup, beaucoup d'invocations du prophète Aïssa où il demandait la préservation. La personne doit demander à être préservée. Il ne doit pas se mettre dans les fitaines, mais il doit s'en éloigner, chercher à se préserver. Et pour conclure, donc la parole du Shir est encore un peu longue, je vais conclure, inshallah ici. On a dit le principal, on a mentionné le principal, c'est qu'ici, Shir Abdallah al-Badr, en ce qui concerne le terme trouble, il parle de toutes sortes de troubles. On ne peut pas dire oui, mais il y a certains genres de troubles qui n'entrent pas dans ce contexte. Shir Abdelazar, il le mentionne lui-même. Hein, il dit c'est toutes sortes de troubles, hein, toutes sortes de mal, toutes sortes de fitanes. Le, le musulman doit s'en préserver et il doit s'en éloigner, se sauver de la fitna. Naham. Donc, Inch'Allah, nous allons nous contenter de ça. En espérant que cela sera un bon conseil, cela sera pris en compte par beaucoup de gens. inshallah n'hésitez pas à propager. Inch'Allah ta'ala, wa bihamdik, wa ilaha ilah ant. واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين